Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dragon Quest Heroes. Suite et peut-être fin, je ne sais pas. Je sais pas combien de temps va nous prendre le Nexus, on verra bien. En tout cas j'espère que vous allez bien. Et oui, pour la fin du jeu, je remets la tenue d'origine. J'ai craqué. Bon, j'ai pu équiper tout le monde au max au niveau... Oh, enfin tout le monde, ceux de mon équipe en tout cas. J'ai pas farm parce que je tourne tout à la suite. Donc on verra bien. Et tout le monde, nous sommes là. Bon là c'est la fin, je vais dire quand même. Il y a encore plus de fumée que je le pensais, je n'y vois rien. Je regrette, mais l'Aeroc ne pourra pas s'approcher plus près. Nous allons devoir trouver un endroit où se poser au pied du volcan, puis l'escalader à pied. Oui, donc, c'est pas le dernier épisode. Quoi? De l'escalade? Oh, c'est de la blague. Vous avez vu comme la pente est raide? Si c'était là notre seul souci, Velasco s'attend à notre venue, ce qui signifie... que je vérifie le son, parce que la musique est plus forte maintenant qu'on approche de la fin. Bon, ça a l'air d'aller quand même. Ce qui signifie que tous les monstres, quels qu'ils soient, sont en train de nous attendre là en bas. On n'a pas franchement de choix. Si on ne se met pas en route pour aller l'arrêter au plus vite, on sera fichu de toute façon. Précisément, notre seul choix est de charger et d'administrer des corrections et des volets bien mérités. Ce sentiment guerrier est admirable, mais notre ennemi nous attend. Nous devons nous préparer à rencontrer une résistance féroce. Ben oui, mais on y va quand même, hein. Bienvenue en enfer, sympa, ce sera le titre de l'épisode. Bah, d'ici là, j'aurais oublié, hein. Oui, parce que d'ici là que je mette à upload, cet épisode-là va sortir dans longtemps. Hein. Je le tourne le 24 mai, donc pour vous dire... Voilà donc le Nexus. Hein. Cet endroit a beau être visible depuis Arbera, on se croirait dans un autre monde. C'est effectivement un lieu à l'atmosphère sinistre, comme si l'essence des ténèbres imprégnait l'île tout entière. Surnommer cet endroit la forteresse maléfique ne serait pas malvenu. On dirait même que c'est l'intention de son créateur. Qui que soit la personne responsable des lieux, elle sait recevoir. Regarde un peu ce comité d'accueil. Ouais. On pouvait s'attendre à leur nombre, mais leur fortification représente une complication malvenue. Grimper en terrain hostile n'est guère aisé. Ah, ça va être chiant. Nous devrions tenter de rejoindre les hauteurs en passant par la pente située à l'ouest. Ça semble une bonne idée, mais n'oublie pas que l'Aeroc sera vulnérable. S'il est vaincu, nous pouvons dire adieu à notre seul moyen de fuir. On doit protéger l'Aeroc ? Grimpez sur la colline, vous pouvez confier l'Aeroc à Medicix l'indomptable. Ne sois pas ridicule, Medicix, c'est bien trop risqué. Je vais me rendre glutile pour une fois. Il le faut, sinon je ne trouverai jamais le véritable courage. Très bien, nous allons donc te confier l'Aeroc. Commande tes troupes avec sagesse, mon ami. On doit protéger Medicix. Pourquoi? Alors moi, cette quête va échouer, les amis. C'est obligé. Au bout d'un moment, faut être réaliste. J'y crois pas une seconde. Mais numéro 2. Ah, j'avais pas celle-là. Elle est différente. Elle a une autre couleur. Je sais pas quoi elle sert. Viens là, toi. M'arrangerai que tu meurs. On peut tous attaquer au même, ce serait bien. Ce serait intelligent. Bon, lui, il est fini. Voilà. Je vais prendre ça. On va prendre ça. Il est différent parce qu'il est jaune. Ah, la magie Dragon Quest. Ça, je le ramasse ici. Eh, mais il y en a qui attaquent Medicix. Voilà, on va le laisser là, l'autre, au moins. Ah, mais il est encore là, lui! Oh là là, il y en a un autre, quoi, je rêve. Allez! Bon,
après ça va relativement vite quand même, hein, mais bon. Ouais, la preuve, il va bientôt mourir. Voilà. C'est bien, j'en ai un deuxième, on va le mettre là aussi. Hein. Oh, il devrait tenir le coup là, le temps que j'aille au point de... lui là. Ah ouais, c'est pas un petit en plus. Je vais faire ça du coup. Ça va plus vite. Ça va le faire. Enfin, je vais essayer de surveiller la vie de mes D6 quand même, hein, on sait jamais. Je me connais. Bon, lui, c'est fait. Je peux pas grimper. Ce serait tellement plus simple là. Bon, je vais retourner vers lui quand même. Il y a des petits mobs, j'aime pas. Mais ils sont où d'ailleurs? Parce que j'en vois, mais... ah là. Il y a un zombie dans le coin, il est où? Non, c'est bon. Ils l'ont buté au même moment. Non, après, bon, le peu qu'il va y avoir par là-bas, ça devrait aller. Hein. Hop. Oh, j'en ai loupé un. C'est pas grave à faire celui-là. Mais le temps qu'ils arrivent, mes compagnons, mais déjà moi j'avance pas vite, mais. Allez! Tu vas pas te congeler? Ah! Il suffit de demander en fait. Ils sont gentils! Ah, je peux pas passer par là, ça aurait été trop simple. De faire le tour. Et déjà qu'on n'avance pas vite, on fait tout le tour. Tant qu'à faire au passage, on se fait cela. Quand on se fait cela, j'avance en tapant. Hein. Après, s'ils sont derrière, tant pis. Hein. Allez! Il y avait un objet rare là-bas, je l'ai pas ramassé, c'est pas grave. Allez! Allez, là on est tous dessus en plus, ça va aller vite. Ah, Youngus a levé up. Bon, je peux utiliser ma tension maintenant, ça servira à rien. Je disais ça avant qu'il meure et en plus après il est mort. Oh, c'était peut-être un lingot d'argent aussi, l'autre objet, du coup. Voilà, ça va être bien. Je vais faire ça là-bas, quand il y a du monde. Ah oui, puis c'est pas du petit mob. Allez! Je suis bien placé. Cette splendide peau verte. Hein. Ça doit être bizarre quand même dans ce jeu. Hein.
Il va peut-être te buter, c'est pas le moment de le trouver mignon en fait. Alors lui, il est à nous. Mais non, mais j'ai cru voir qu'il y avait des mobs vers lui, il n'y en a pas en fait, non? Pas le temps, il meurt vite. Personne à sa barre presque. Ah si, toi, viens là. Des ennemis, je veux des ennemis. Voilà. Et par la même occasion, du coup, je profite. Bah vas-y, rentre dans le gluant, tout va bien. Non mais il disparaît dedans quoi. Bon du coup, qui est à nous, qui n'est pas nous? Ah bah de toute façon ça commence à se barrer donc. Bah voilà, c'était pas difficile. Bah elle est bien aussi notre tenue rouge en fait. Hein. Moi qui adore le bleu, c'est dur de choisir là, le rouge lui va si bien. Nous avons réussi à endiguer la marée d'ennemis pour l'instant, mais qu'ils soient si nombreux à nous atteindre est un néfaste présage. Ça va, on a vu pire, j'ai l'impression. Absolument, Velasco a dû nous attirer ici afin de sceller notre destin définitivement. Eh bien, qui laissait pour voir? Traquons cet imbécile infatué. C'est infatué, ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce mot. Hein. Et montrons-lui à qui il a affaire. Ne nous emballons pas, nous avons encore du chemin à faire et ce ne sera pas facile. Si nous avons déjà rencontré tant de monstres, cela signifie qu'une seule chose, qu'il y en a encore plus à venir. Et je parie qu'ils seront plus coriaces. Alors, ça dépend. Je m'en fous dans le sens où si on a personne à protéger, ça ira. Par contre, si on a quelqu'un à protéger, c'est autre chose. Parce que généralement, c'est ça qui me ruine tout. Hein. Bon, on va continuer tout de suite. Hein. Ah oui, alors j'avais acheté le bouclier pour Lucius aussi, je voulais pas montrer. Voilà à quoi il ressemble. Il est synchro avec l'épée, quoi. Je vous le montre quand même. Ah, j'ai une carte diabolique. Très bien. Mais je continue ici. Un défi à la vie et à la mort. Ouais, on y va. Soyons fous. Il est stylé l'endroit quand même. Hein. On dirait la grotte d'Hyrule Warrior dans la deuxième quête. Burk, des cavernes, des endroits horribles, froids, humides et sombres. C'est l'enfer pour mes cheveux. Oh. Pour les miens aussi, pire encore, celle-ci semble menaçante, tu ne trouves pas? Comme si quelque chose de terrifiant nous attendait, tapis à l'intérieur. Tu as vraiment besoin de dire ça? J'ai déjà assez peur comme ça. Je le sens pas non plus cet endroit, mais on n'a pas vraiment le choix. Alors on respire un grand coup, on expédie l'affaire, d'accord? Ne vous agitez pas, camarade. Je savaterai sauvagement toutes les bêtes qui obstrueront notre chemin. Allez, entrons. Elle est sympa. Elle a l'air très douce comme fille. Lord Lionel. Hé, coucou toi. Tu veux pas geler? C'est chiant, hein. Allez, gèle. Non, tu veux pas. Gentil minou. J'ai peur. Hein. Allez. Bon, de toute façon, il est bientôt mort. Hein. Jusque là tout va bien, j'ai envie de dire, étant donné qu'on est tous sur lui. Voilà. Un en moins. Ah génial, tu donnes de la vie. T'es censé faire mal entre temps en fait. On avance par où, par là? Ouais. T'inquiète, je continue d'avancer. Super.
C'est pas grave, j'aurai ma attention après, tout ça, tout ça. Bon, j'attaque un peu partout, hein, j'ai pas de cible fixe. Bon, prends celui-là en cible fixe si tu veux. Jette-moi dans le feu si tu veux aussi, tout va bien. Non mais oh. Ah. Je me suis jetée toute seule dedans. Il m'a trop feinté quoi. Bon, on sait comment ça va finir avec lui, on va encore le pousser dedans. Non, te jette pas dedans toute seule encore. Mais j'ai peur. Mais on lui a déjà offert une fin brûlante en fait, non? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Au moment où elle dit ça, je l'ai déjà fait en fait. Je suis trop rapide pour le jeu. Et là, c'est comme si c'est moi qui avais cassé la porte. Quelqu'un sa barre non. Presque pleine, j'allais dire, mais. Viens là! Non mais lui il se barre. J'aimerais pas être le mob en fait là. On a 4 sur lui. Ça va aller hyper vite quoi. J'ai presque de la peine pour lui. Bon, tes stratégies, ça va. Ah, j'ai pas assez de PM, j'avais pas vu. C'est pour ça que j'étais en galère. Bah voilà, j'ai assez de PM maintenant. Bien sûr qu'on peut y arriver. Bon, je suis juste dangereuse là, lui foncer dessus malgré tout, mais... Oh non, il manquait pas grand chose. Je l'aurai en plein vol. Je l'aurai en plein vol. Non, je l'aurai pas en plein vol. Quelle belle fin. C'est dire qu'il me faisait peur au début du jeu quand ils étaient 3 dans l'arène, si vous vous souvenez. Quel beau mur. Ouais, on peut changer de vue sinon. Parce que là, on dirait juste un vieux jeu rétro buggé en fait. C'est pas ouf. Hein. Ah ça y est, c'est fini. Eh mais j'ai bien aimé moi cette petite phase. C'était pas simple, mais on s'en est sorti en un seul morceau. Bon, où est Velasco? Oh là, pas dit monsieur Moustache. Je crois que nous devons avancer, monter jusqu'au sommet du volcan avant de retrouver notre adversaire. Je vais y arriver. La fumée menaçante qui s'échappe en volute depuis le cratère semble indiquer que la cérémonie ultime est en cours. Dans ce cas, il ne doit pas être loin. Le sommet du volcan, c'est ça? C'est un endroit assez probable pour y trouver un méchant personnage à... en train de mijoter un seul coup, c'est vrai. Alors pourquoi on reste planté là, escalade dans le volcan? On vient de chercher Velasco. Non, Monsieur Moustache. Tu m'as habitué à Monsieur Moustache, alors ce sera Monsieur Moustache. Ah, c'est vrai, quoi. Ouais. Un butin, ok, on n'a rien ramassé quoi, que dalle. Par contre, on va être à 20 minutes et j'ai peur que. Ouais, j'ai peur que la prochaine quête soit plus longue. Alors, est-ce que j'en ai déterminé? Non. J'ai quand même peur malgré tout, voilà, que.
Du coup, je vais finir l'épisode avec quelques points de compétences que je vais mettre tout de suite. Hop, après, vous voyez hein, plus ou moins comment j'ai rempli pour l'instant. Lui, il n'y a pas grand-chose. Elle, un peu plus. Ah, il a plus de points, lui. Bon, après, je fais pas attention. J'avoue que je mets un peu partout, en fait. Hein, mais... Après, je réfléchis plutôt à où je les mets. Je m'en fous un petit peu. Surtout les persos que je joue pas avec eux en fait. Hein. Ceux que je joue pas avec eux, j'ai rempli d'abord la case caractéristique en fait. C'est... Je me prenais pas la tête. Voilà. Toi t'en as qu'un, on s'en fout. Toi. Et puis après je les fais dans l'ordre ici en fait. C'est tout con, hein. Je m'en préoccupe à peine, vraiment. Mais je vous expliquerai tout ça dans un autre épisode. Ça c'est... Je le ferai, c'est sûr. Bon voilà, bah en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, il sera très court comparé à d'habitude, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dans l'épisode suivant pardon, pour la suite de nos aventures. Ciao tout le monde, des bisous.